Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est le jour des enfants. Et je me retrouve comme tous les mercredis avec Nina pour une nouvelle vidéo d'une activité autour des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui, Nina? Est-ce que tu peux nous expliquer? Une boîte à cris. Une boîte à cris? Mais ça sert à quoi? Bah, à crier dedans, à ton avis. Ça sert à crier dedans. Mais quand est-ce que... Pourquoi on a besoin de crier d'abord? Ben, quand on est énervé. Quand on est énervé, quand on est en colère, et ça évite de... Casser les oreilles à vos parents. De casser les oreilles aux parents. Effectivement, des fois, on crie fort. C'est une bonne idée d'ailleurs. Pourquoi il y a besoin d'une boîte à cris? Parce que la colère, c'est quoi? La colère, c'est une forte énergie qu'on a à l'intérieur de nous quand les choses ne se passent pas comme on a prévu ou alors quand nos valeurs ne sont pas respectées. Et là, cette boule d'énergie, eh bien, il faut qu'elle sorte. Elle sort comment? Elle sort en criant le plus souvent possible, mais elle sort en tapant, en insultant, en balançant toutes les choses qui sont autour de nous. Et comme la plupart du temps, bah, on a besoin de crier et qu'on casse les pieds à tout le monde, eh bien, on va faire cette petite boîte à cris pour permettre d'évacuer les tensions, la colère qu'on a à l'intérieur de nous sans perturber les personnes qui sont autour de nous. Alors, de quoi on a besoin pour faire cette boîte à cris, Nina? Des petites images. Donc, des petites images. Une boîte. Une boîte. Alors, en verre. Une boîte en verre ou en plastique, genre pot de miel, pot de confiture, avec un couvercle, très important. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Du scotch. Du scotch. Et un fameux ciseau. Une paire de ciseaux et une feuille de papier pour faire des dessins. Alors, nous, aujourd'hui, on vous a préparé, enfin, Nina vous a préparé les petits dessins. Alors, elle ne les a pas dessinés, mais on est allé, elle est allée chercher sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé comme petit dessin qui représente la colère? Alors, c'est... Une bombe. Voilà, une petite bombe, parce que quand on est en colère, on est explosif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une tête de mort. Une tête de mort, parce qu'on en veut au monde entier quand on est en colère. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? J'en ai marre. J'en ai marre, on dit souvent « j'en ai marre ». Et puis plein d'autres petits dessins comme, vous voyez, un monstre. Très rigolo. Un petit dessin d'un personnage qui est rouge de colère. On a un point parce qu'on a envie de mettre des coups de poing quand on est en colère. Et puis une bulle avec plein de choses. On voit bien que la personne n'est pas très contente aussi. Donc le principe, bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bah, décoller sur la boîte pour la décorer. Voilà, l'idée c'est de décorer, de personnaliser la boîte à cris. Alors, on peut le faire avec du scotch. Nous, on a du papier autocollant. Donc, du coup, eh bien... Je vais y coller. Ouais, je te laisse y coller. Oui. Voilà. Allez, vas-y, tu le mets où tu veux, tu le personnalises. Et voilà, la boîte à colère, la boîte à cris de Nina. J'en ai marre avec tous les petits dessins qu'elle a collés dessus. Bah, le mieux, c'est que tu nous montres comment on fait quand on est en colère. D'abord, on ouvre la boîte, ouais. On garde bien le bouchon dans notre main. À côté, ouais, dans la main. Un petit truc comme ça. Vous pouvez y faire, parce qu'en fait, on va crier dedans et vite après, refermer. Ah, bah vas-y, montre-nous. Oh là là, on sent qu'il y a une grosse colère de Nina et on voit la boîte, elle est toute opaque, elle a mis toute sa colère qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Ça fait mal à la gorge de crier. Maintenant, la boîte, elle est à l'intérieur, la colère est à l'intérieur de la boîte. L'idée maintenant, c'est qu'on aille ouvrir la fenêtre et faire sortir toute la colère qu'il y avait dans la boîte, eh ben, le plus loin possible. Alors, comme c'est du verre, il faut faire attention de ne pas la lâcher. Tu vois? C'est bon. C'est bon. Et du coup, eh ben voilà, la boîte, elle est vide de la colère et Nina est aussi vide de sa colère. Ça fait du bien de crier. Oui. Ah ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, interpellé, inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager parce que... À mettre un petit pouce bleu, la petite cloche. La petite cloche si vous nous suivez sur YouTube. Je suis sûr que cette vidéo va aider beaucoup d'enfants et de parents parce que ça marche également pour les parents. En tout cas, sachez que si vous voulez d'autres activités, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis avec des nouvelles activités autour des émotions. Et sur notre site internet emoticard.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livret d'activités autour des émotions, 37 pages avec plein d'activités pour les enfants, les parents, les professionnels à faire autour des émotions parce que les émotions, ça fait partie de nous et parfois, ça reste difficile. Donc, merci pour votre attention. On se retrouve quand? Bah, mercredi.
On se retrouve mercredi prochain. Et qu'est-ce qu'on va faire mercredi? On sait pas, ça sera la surprise pour vous et pour nous. Et ça sera la surprise pour tout le monde. Passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Rendez-vous sur emoticart.com.